Qu'y a-t-il? Dites-moi plus sur votre livre. Ah. Quel livre, celui-ci? Avec un sourire rusé, il prend un livre poussiéreux sur l'étagère le plus proche et jette un œil à la couverture. Pas grand-chose à dire sur les histoires des îles grises, c'est très ennuyeux. Faites pas l'imbécile, vous savez de quel livre je parle. Enfin, imbécile, votre hypocrisie est lassante. J'imagine qu'on va devoir recommencer ce cirque. Le livre des profondeurs apparaît dans ses mains. Il est doté d'une couverture pourpre crasseuse. Allez-y, interrogez-nous. Où vous trouvez ça? Un poussin étincelant flotte dans les airs entre vous. Ce n'est de rien, vous étiez là. L'air autour du livre se met à palpiter en rythme tel un cœur qui s'emballe. Et elle aussi. C'est vrai qu'il y a une histoire d'amour. Qui? Vous l'ayez oublié, vous m'avez supplié. Pièce anime, c'est ce que vous avez voulu. Donnez-moi le livre. Vous semblez suspendu dans l'espace qui vous sépare. Je ne changerai rien, le livre nous appartient. Avancez. Vous avancez dans la pièce qui grince. En réaction, le collectionneur se rue sur vous. Que savez-vous accomplir? Prendre le livre. À la droite, vous portez un coup de poing à la mâchoire du collectionneur, son visage se brise et tombe sur le sol. Ah d'accord. Ah très bien, salut Sam. Ok. Vous êtes pitoyable. L'île des profondeurs est dans vos mains. Je suis ici avant de nous faire sombrer dans le désespoir. Je sais comment la ramener, c'est écrit sur ces pages. Et vous avez vu leur pouvoir de vos propres yeux. Le pouvoir de la libérer de son sommeil. Trouvez sa dernière relique et nous annulerons tout. Tout ce que vous avez fait. Alors déjà, nouveauté, on a le bouquin. Alors, on a le bouquin, mais il est stocké nulle part. Je mets stream en fond audio, je bosse à côté. Ouais, ça marche. Attends, on a le bouquin. Ok, les mots que vous avez lus dans ce livre, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Non, ça, on s'en fout. Ok. Ça y est, ça, trop vite, c'est cool, on s'en fout, c'est juste pour passer. Alors, je ne comprends pas qui êtes-vous. Je suis ce qui est séparé de vous le jour où vous avez dragué les profondeurs. Ce qui pourrait être, je suis vous, mais désincarné. Ok. Vous avez parlé de sauver quelqu'un. Oui, le surgira des profondeurs, c'est écrit dans le livre. Dans presque toutes les pièces, il n'en manque qu'une. Ok, merde. Bon, alors bon, déjà on a avancé, donc du coup j'ai bien fait de revenir. On va emmener le bouquin à la gardienne du phare. Y'a moyen. J'ai bien fait, j'ai tellement bien fait de lui reparler à lui. C'était un peu ma dernière carte en fait. Bah m'aider elle, tu veux quoi? J'ai le livre. T'es bien amusé tout ce temps, pas vrai? Peu importe, profite de cet intermède de lucidité, c'est le moment d'agir. Souviens du lieu où c'est arrivé, dans les ténèbres derrière la baie. Quand tu seras prêt, je t'indiquerai le chemin. Je suis prêt. Bah vas-y. Je répète. Oui, ok. Attends qu'il fasse nuit noire, il faut que le séance soit comme il y a des années. Donc du coup, peut-être que cette histoire de lumière, c'est peut-être la fin secrète, du coup. Tiens, je vais t'indiquer le chemin. Suis ma lumière. Ah. Va et fais ce qui est juste pour elle, renvoie-le. Ou pas en fait. Alors elle est où la lumière? Ah bah là il y a le phare, bah voilà. De toute façon je pense que c'est au même endroit qu'il y a la mauvaise fin du coup je suppose. Ouais c'est ça. Et bah là, du coup, suit la lumière, ça prend tout son sens, quoi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est ici, le renvoyer. Le livre s'agite dans vos mains, semblant bouger de gauche à droite. Ce ruban argenté s'agite désespérément contre vos doigts. Le renvoyer. Vous le tenez au-dessus de votre tête. Un grognement sourd s'échappe du livre et semble résonner dans les profondeurs. Le renvoyer. Vous jetez dans l'écume. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Ah. Oula.
et comme un gros poisson. Ah bah super, la bonne fin c'est qu'on meurt.